businessman qui travaille pour Dilaglio, il y a des miscadés régulièrement. Ça veut dire que miscadés n'ont mangé l'argent kidnapping, n'ont mangé l'argent bandit, n'ont mangé l'argent gang. Et on lève des blâmes pacifiques, nous demandons pour révoquer. Oui, nous camper des lettres que nous avons prises en décembre 2003. On commissaire le gouvernement. Ou gagnons monde pour neutraliser, ou poser mon question, ou torturer, et pour dire que ce n'est pas mon dernier mot pour dire et en rond mourir. Dans quel pays que nous sommes, il dit, est-ce que ce n'est pas absence d'État qui fait Muscadet à Bajik? Commissaire Muscadet, c'est un acteur dans la chaîne pénale là. Ils sont autorités dans la chaîne pénale là. Il c'est un commissaire gouvernement, donc un commissaire Muscadet. Oui, il c'est commissaire gouvernement dans la juridiction et NIP et la Mirabouane. Alors, un commissaire gouvernement, ce n'est pas n'importe quoi. Il y a pile autorité dans la chaîne pénale là, il y a pile pouvoir. C'est lui-même qui chef poursuite. Ça, vous avez gagné, ça veut dire, il fait partie de l'État, il fait partie des acteurs dans la chaîne pénale là. Donc, nous ne pouvons pas parler d'absence de l'État parce qu'ils sont autorités de l'État. Et il doit gagner comme boussole la loi. Et nous connaissons, je dis à en Haïti, vous gagnez 18 juridictions justice. Et vous gagnez 10 départements. Et lorsqu'il y a des problèmes pour les jeunes et aujourd'hui, ça nous est des gangs de civilisation du pays. Eh bien, et banalisation de la vie du monde, pour banalisation de la vie du monde dans tout le pays. Mais gangs de civilisation, c'est tout d'abord la zone métropolitaine qui est gang occupée par qui se passe en 80-90%. Et après ça, on partit dans la Tibonie. Après ça, dans l'autre département, côté prend NIP, côté, bon, on quitte NIP, côté prend plateau central. Nord-Est, Nord, Nord-Ouest et Grand-Est, Sud, Sud-Est, il y a un commissaire gouvernement là-dedans et il y a une sécurité dans ce pays. Ça veut dire, il y a un commissaire gouvernement et tant que Muscadet, s'il voulait appliquer la loi et s'il voulait combattre gang, la pointe, la prendre la loi comme vous savez, la pointe task force comme chef ou suite. Dans la juridiction, les salariés et paquetier, ça veut dire que même avec le petit commissaire gouvernement, juge de paix, juge avec la police, et puis zéro tolérance pour gang. Là, il y a plus de résultats dans le cadre du travail. Nous-mêmes, dans la RNDDH, nous disons que c'est zéro tolérance pour gang. Ça veut dire qui ça? Bandit aujourd'hui, pour nous-mêmes, place, c'est prison ou cimetière. Vous faites trop, c'est des terroristes qui ont. Nous n'avons pas d'accord pour que les gens puissent négocier avec eux. Et ils ont fait trop et l'eau pour les lanciers. Nous-mêmes, journalistes, qui sommes victimes, la population, la police, ils ne font pas que des actes dans la société. Mais nous n'avons pas d'accord avec aucun acteur dans la chaîne pénale. Qui décide, monsieur Dame, on commet ce gouvernement ou un monde pour neutraliser. Ou poser mon question, ou torturer, et vous dire que ce n'est pas mon dernier mot pour dire et en rond mourir. Dans quel pays que nous sommes? Et puis tout. Je vais finir avec un exemple. Le fond de sous juridiction Muscadet. Famille Tilapli et Tilapli sorti dans une section rurale. Qui est le baron qui sous fond des nègres. S'il a pris en ville terre dans fond des nègres, le baron, il gagne et noté qu'il travaille pour lui, il gagne en pile business dans le marché fond des nègres là, et maintenant le marché fond des nègres là, businessman dans fond des nègres, il va y miscaler des corps et régulièrement pour faire travailler. Il va y voler avec ça. Secteur privé capable de supporter des acteurs dans la chaîne pénale pour travailler. Mais, businessman qui travaille pour Dilaglio,
yo ba miscade encore régulièrement. Ça veut dire miscade dans manger la kidnapping, dans manger la bandit, dans manger la gang. Et pour qui ça n'est pas engagé de aucune poursuite contre et Tilapli. M'ba dit pour ta poursuivre maman Tilapli parce qu'il fait maman Tilapli fait caïn pour maman et fondé nèg dans baron dans section et rural là, mais quand même il connaît tout business qui vient en bas, il connaît dès que gagne, il connaît gagne hôtel, il va jamais faire rien. Donc miscade c'est donc demande tout est fait pour demander l'invocation toujours maintenant. RNDDH fait une lettre. Alors tout d'abord dans fin novembre 2023 et les Miscade avec commissaire gouvernement au Kaila. Alors commissaire Miscade, il faut me dire pour pas déranger Ali Miscade yo. Et yo te gon discussion sur réseaux sociaux et pendant et pour qui ça c'est parce que Miscade t'a fait un descente lié dans et un hôtel qui n'a pas sali qui passe sous juridiction et lui j'm'en dénoncé ça. Et commissaire Okaï, commissaire Okaï, et je m'en dis c'est Bosni qui est à travail. Alors Bosni, il a parlé des réfugiants, c'est un réfugiant, ils sont africains, ils doivent quitter les Muscadiens sur le modèle comme commissaire gouvernement et dans Miragual. Et tout de suite après, nous avons un ministre de justice qui est là, c'est Emily Beaufort, il voyait deux lettres de blâme, une pour Muscadien, commissaire Muscadien, une pour commissaire et Richemont. Et puis, nous faisons l'aide avec un ensemble de cas, de combien de 10, des mondes qui sont victimes, là-dedans, des bandits, des innocents, nous 10 ministres, mais qui sa commission l'a fait en bas, et on l'aide des blâmes pacifiques, nous demandons pour révoquer. Oui, nous campions des l'aide que nous avons en décembre 2023. Alors, bien entendu, tout débat qu'on s'est aux sociétés là, de tout gagner base gang, sauf ni, on a demandé de révoquer. Est-ce que vous ne pouvez pas demander que vous continuez de blâmer? L'on m'a demandé de là. Est-ce que ça va pas par cause ni gagner, regain base gang encore? Alors, et vous connaissez sauf département qui c'est là? Non, je ne sais pas pourquoi c'est celle qui est département qui c'est. C'est le même manuel. Alors, premier contingent est arrivé jour mardi 25 juin 2024. Il faut que je dise tout, il est arrivé, mais votre comparé pour venir. Il est venu, c'est parce que la Russie, d'après le premier tête conseil de sécurité, et les États-Unis étaient vrais Kenya. Alors, les États-Unis avec les Nations Unies étaient vrais Kenya engagés en Haïti. Avant que la Russie prenne tête conseil de sécurité pour ne pas bloquer. Et au Capaboué, il y a là depuis le 25, il y a fait Tiflané dans la zone d'Aba, il y a les Chalmas, mais si vous pouvez répondre à la question directement, c'est la police nationale qui prend le contrôle de l'hôpital général, ce n'est pas les Kenya. Moi-même, je pense, il y a là depuis le 25 juin, ça fait déjà deux semaines et nous sommes doués pour nous-mêmes. Nous sommes doués commencer dans la RIA avec des unités spécialisées et dans la police pour explorer les zones et si on a une opération qui va faire, on va faire plus devant. Mais nous ne pouvons avoir aucune action concrète, nous ne pouvons avoir présence. Et ça, on a un article kenyan et son propagande. Mais, j'en ai dit, et l'hôpital général, c'est la police nationale là, qui nous a dit, et toujours sous contrôle, et PNH, contrairement avec sa capable, et Gangue de Panama. C'est Joseph Michaud, Télévision Nationale d'Haïti. Pour journaliste qui mourit dans le pays, la police tue.